Parlons Culture revient pour un été coloré. Plus de livres, plus de chansons, plus d'art visuel pour ne rien manquer de l'actualité culturelle cet été. Parlons Culture avec Marianne Gemmach et Hinjin Hiya à la réalisation du dimanche au mercredi de 9h à 10h sur Algeochène 3. Bonjour, bonjour, merci de nous retrouver, merci de nous rejoindre. Il est 9h12 et vous êtes dans Parlons Culture jusqu'à 10h. Parlons culture, ce sera la dernière semaine avant les vacances d'été pour Hind et pour moi-même. Dans quelques instants, je reçois Habiba Kharchi qui a fait un travail très très intéressant, un travail de recherche sur les jeux traditionnels dans la région de Sétif. Un travail qu'elle continue à développer et qui fera peut-être l'objet d'une publication. On se retrouve dans quelques instants. 17 minutes oh, oh. sur Alger, chaîne 3. Bonne matinée à vous tous. Habib bonjour. bonjour. Bienvenue dans notre studio. Merci. Il fait bon, bon vivre là. Il fait, très il bon. fait frais. Voilà. Il y a de la bonne vie. Alors vous avez effectué un travail de recherche, euh, sur les jeux traditionnels dans la région de Sétif. Ça, ça fait très longtemps, c'était en 78, mais vous continuez vos recherches. Euh, comment, comment s'est passée cette, cette enquête? alors euh, j'ai choisi ce thème pour la simple raison que j'étais euh, prof euh, d'éducation physique et puis enseignante à l'institut des sports oui et je me suis dit euh, peut-être que on a eu de, des jeux sportifs physiques plutôt que j'appellerai physique et que euh, je me suis dit allez je, je vais euh, chercher. J'ai choisi la région de Sétif pour la simple raison que je, je oui. suis de Sétif. Il est plus facile pour moi de me déplacer, de communiquer parce que je, je parle le Sétifien. Et voilà, donc euh, j'ai mené cette enquête qui a duré euh, trois, trois mois. mois. Mm -hmm. J'ai préparé un guide d'entretien, ce qui est euh, tout à fait normal. Et donc, on a contacté les, à travers les différentes communes de Sétif, une bonne 40 ou 50. On a contacté les, les, les familles, les, 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 les communes, les oui. responsables des communes. Euh, qui, vous qui nous ont mis en contact avec des familles. ont mis en contact avec des familles. Quand il s'agit des hommes, c'était dans le, les locaux de la mairie. Et quand il s'agissait de femmes âgées, évidemment, des de oui. des traditions. Vous on y allez. On allait hum. dans les dans les maisons. Et ça faisait donc des interviews, des enquêtes, des enquêtes hein. des interviews. et des témoignages. Voilà. Des et témoignages comme ça que vous avez sur, et on en a recueilli beaucoup, mmh. et après il fallait faire euh, un tri, un choix, euh, une cla un classement, une classification, etc. Alors euh, il y a eu auparavant, bien sûr, une, euh, parce que c'est un, euh, un travail universitaire que, que j'ai soutenu, donc il fallait en 78. Euh, voilà la rigueur euh, scientifique. Donc euh, j'ai fait des recherches bibliographiques, notamment sur les auteurs euh, maghrébins. J'ai trouvé quelques éléments chez euh, Asiat Jabbar, euh, Boudjedra. J'ai trouvé, euh, trouvé des documents anciens, notamment Laouste, euh, Mercier, qui parlaient de jeux traditionnels euh, dans la région de l'Est euh, en Algérie. Et, et j'ai trouvé, pour illustrer mon travail, j'ai trouvé euh, notamment au musée du Bardo. Des, des, des peintures de, de dîner notamment et d'autres mm -hmm. où il y a des jeux traditionnels donc il euh, y avait voilà, un répétiment entre les témoignages et entre Absolument. la documentation ça. Ça, ça se rejoignait ça. très très ça. bien alors on va parler un petit peu de ce patrimoine immatériel de ces jeux ces jeux qui étaient pratiqués par des adultes euh, lors d'événements particuliers c'est ça il y avait des rituels. Alors, je veux juste préciser quelque chose. Alors, j'ai, dans le titre de mon travail, mm -hmm. j'ai mis Jeux physiques traditionnels en Algérie, région de Sétif. Nul ne peut s'approprier tel ou tel jeu. C'est des jeux qu'on retrouve dans tout le Maghreb, une partie de l'Afrique subsaharienne et même dans le bassin méditerranéen. Par contre, les jeux que j'ai trouvés euh, intéressants, ce sont les jeux rituels, notamment le jeu El Kora. Alors, le Kora, c'est un jeu qui se pratique euh, au, au printemps. Il y a deux variantes. Kort, le Ried. Le c'est euh, la crosse, le bâton. Tout ce qui est euh, matériau, notamment le, la, la balle, euh, la, la crosse. Le Kaous, ça s'appelle. C'est euh, les, les branches de palmier ou d'arbre. Ou... Et la petite balle, elle est confectionnée à partir de peau. Ou... Et donc donc euh, on fabriquait avec euh, les matériaux voilà, les, qui étaient matériaux disponibles qui étaient dans la nature de, de la, dans la nature absolument c'est ça l'intérêt de, voilà. de ces jeux là mmh. donc c'est un jeu saisonnier qui se pratique euh, euh, au printemps, printemps. Euh, homme femme moi j'ai vu euh, assez ma maman jouer. Dans, dans la cour de, notre, de la maison familiale oui. alors euh, décrivez-nous un petit peu ce, alors ce, ce jeu, jeu c'est un jeu euh, c'est un jeu de, de balle collectif alors euh, il ne se il n'y a pas de limite de terrain on, on joue dans la nature, il n'y a pas de limite de temps l'âge des, des joueurs n'a pas d'importance il faut juste être adulte et... alors chaque, chacun ramène son, sa crosse mm -hmm. Et, et elle est souvent elle est gardée jusqu'à euh, la saison d'après. Et le tirage au sort, on, on, il lance les, les crosses, et celle qui il les lance en l'air pour l'équipe la, qui doit commencer. Il les lance à l'air et la, et la, la, la crosse qui est au-dessus. C'est l'équipe qui l'équipe à l'équipe. Évidemment, voilà. les, les crosses sont identifiées. <laughs> Alors, il y a la première version. Euh, variante, c'est le... Il y a deux, deux genres de fossés, en fait. Il n'y a pas des buts. Et les, 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 les éch ils échangent la balle avec les crosses, d'accord Jusqu'à loger cette fameuse balle dans l'un du fossé adverse. Et voilà, on joue. Et puis, euh, ça s'arrête quand on est fatigué. Mmh. Alors le, les, la symbolique, la balle représente, d'après les témoignages, représente euh, la fille. Alors ça se joue entre deux dachasates voisines. Oui. c'est la fille et, et, les, et les deux fosses, on va dire ou euh, trous, rid, ça s'appelle rid dans le langage de la région. C'est ramener en quelque sorte la fille dans sa dachara. Dans sa c'était un peu la symbolique. Et le, le jeu peut reprendre le lendemain parce qu'il n'y a pas eu d'équipe de, de victorieuse et l'équipe qui perd offre le, le repas. Généralement, c'est un couscous, le plat traditionnel. Alors, on le semble... voit, il y, y a toute une symbolique euh, autour de, de ces jeux, mais ce sont des jeux aussi qui sont sportifs. Ça implique qu'on qu bouge, oui, qu'on se oui, dépense, qu'on se... n'est pas là ça. assis, euh, sédentaire. C'est ça, c'est ça. Alors, l'autre variante de ce jeu, c'est Korotschmen. Alors, la, la fosse qu'on creuse, elle est, elle, est, elle est assez large, il n'y a qu'une seule. La balle représente la graine. Et l'une équipe, des équipes empêche l'autre de mettre la balle dans ce fameux grand mmh. grand trou qui n'est pas très profond et la balle représente la graine qu'on essaye de, de mettre dans, le, dans la terre pour avoir une récolte florissante le printemps y en a. vous en avez répertorié des tas, des tas, des tas, des tas de, 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 de jeux de, de ce genre. El Marfa, El Marfa, El Marfa. c'est le, 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 le combat. Coup. Donc, c'est des, des luttes. Oui. Et les luttes sont pratiquées dans toutes les civilisations. On les retrouve, comme j'ai dit, au Maghreb. Elles ne sont pas spécifiques à l'Algérie. Et. Celle qu'on qu m'avait décrite et qu'on m'avait donnée, c'était trois formes de lutte. Mmh. C'est la lutte selon les prises de départ. Alors c'est des défis que les, les lutteurs se lancent. Il y a des grands euh, champions, on va dire, et qui, euh, qui se lancent des défis. Alors le, la première technique, c'est qui est inventée par, euh, par, euh, par les, les, les lutteurs, par euh, les joueurs, on va dire, c'est sdr, sdr. Alors ils sont face à face. Poitrine contre poitrine, et à partir de cette euh, position, il lutte celui qui gagne, évidemment, celui qui met. Euh, il y a un semblant d'arbitre. Euh. Deuxième, le deuxième type de lutte, c'est karba bkarba, hanche contre hanche. Mm -hmm. On se prend par la taille, hanche contre hanche, et on essaye de, de, se, de basculer l'autre pour, pour euh, le faire tomber. Et la troisième, c'est dreh bdreh, on se tient par les, les bras. Et puis les lutteurs se tiennent par les bras. Et puis voilà, celui qui gagne, il, il combat contre l'autre. Et c'était voilà des compétitions. Donc voilà, il y a un public, sont, euh, il y a de la musique, toute une ambiance, toute une ambiance. dans Patrimoine la, la immatériel et, qui a voilà. traversé les siècles. Euh, Je très ancien, jeu traditionnel. On marque une pause musicale et on verra. Et, il y a même des chansons qui accompagnent certains, certains. Oui, on, on y revient. Il y a l'histoire des mariages, etc. C'est très, très intéressant. À tout de suite. 32 sur Alger, Chain 3. Vous êtes dans Parlons Culture. Habiba Khalshi est avec nous. Elle nous parle de, de son travail de recherche, les jeux traditionnels dans la région de Steff, donc ce patrimoine immatériel dont. On connaît si peu de choses finalement, et vous avez répertorié une quarantaine de jeux. Et parmi ces jeux, on retrouve des chansonnettes du terroir. N'est-ce pas? Alors, euh, effectivement, il y a des jeux d'enfants, de, de, de jeunes filles, qui, euh, qui sont liés euh, à la vie un peu familiale, notamment le jeu Enna, Mhom, Lemhom. Je suis la maman qui protège ses enfants et je les rassemble. Um -hum. Voilà, je hum -hum. les um -hum. Voilà, je les rassemble. Donc c'est ce jeu consiste la maman donc euh, elle a le, le, le jeu de rôle, elle a le rôle de la maman, le rôle des enfants. Donc ça peut être 5 6 7 8 10 donc selon le groupe qui est présent. Et il y a le papa. Et le papa veut récupérer euh, n'oublie pas que c'est un jeu ne veut récupérer ses enfants et donc la maman les protège en écartant les bras les enfants tournent se cachent derrière elle et le papa essaye de récupérer un enfant à chaque fois qu'il touche un enfant il le récupère. Donc euh, alors la maman elle dit un lem hom". le papa il dit un home call hom". Après, la maman, elle dit et le papa, il dit et à ce moment-là, les enfants, ça amuse beaucoup les enfants, le fait de dire ah ben, il voilà, le ça, les, maman, ça je, les amuse Ils se, se cachent derrière la maman. La maman à bah chaque oui. fois qu'il touche un, évidemment, <laughs> il, 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 il va chez le papa et après, la chanson, il dit euh, euh, le, la maman, elle dit euh, quand il reste un enfant, il dit et euh, c'est-à-dire un seul enfant et le papa il répond ne 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 et elle elle dit praliras et le papa il dit ne ne et il continue jusqu'à ce qu'il récupère tous les enfants il y a un changement de rôle euh, ça se joue ça peut être mixte le papa c'est pas forcément un garçon, un, un, un homme. Voilà. Un homme. Alors, vous voilà. tendez la perche par rapport euh, euh, au fait que ces jeux soient pratiqués aussi bien par les hommes, les femmes et les enfants aussi. Donc, homme, femme, enfant, hommes, femmes, enfants, parfois est. C est, c est mixte. Hum. Il y a ces jeux d'enfants, ce sont souvent des des exercices, euh, euh, des exercices, mais c'est ludique. Alors, il y a le jeu de de, le, alors les enfants, il y a deux deux, deux enfants qui se portent le, sur le dos l'un de l'autre à, à tour de rôle et ils disent euh, euh, attendez je vais retrouver de mémoire. <laughs> bon. de mémoire. Ça va revenir. je vais retrouver ils disent euh, euh, alors il prend le il prend le sur le dos il se baisse et, euh, euh, أسماء لازرق لوطخي ريبون اون شانت ويش فوقك أسماء لازرق ويش تحتك حب الكركب انزل نركب فيس فوقك أسماء لازرق واش تحتك حب الكركب انزل نركب ديسون جو مونت donc à tour de rôle et puis il change de rôle et voilà ce sont des jeux de, de jeunes j'en ai des euh, jeux de... euh, des jeux qui impliquent euh, toute une symbolique des jeux qui se pratiquent euh, lors de circonstances particulières euh, alors, il y a aussi des jeux donc pendant des, ma des mariages euh, des jeux qui sont euh, liés à l'agriculture n'est-ce pas oui? Les jeux liés à l'agriculture, on, on en avait parlé, c'est le, mmh. le kora en fait. Voilà, oui. la voilà, balle représente la graine qu'on essaye de, de loger dans le dans le petit le, ouais. le trou. Pour Alors le... la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces jeux traditionnels, anciens, que vous avez découverts dans l'Est de l'Algérie, mais qui existent dans tout le Maghreb, apparemment, qui peuvent exister même en Afrique, euh, se pratiquent encore aujourd'hui alors, il me semble que ça a été relancé suite à un colloque auquel j'ai participé, un colloque international qui s'est déroulé à, à Tamanrasset. Mm -hmm. Il y a eu des démonstrations de, de l'Kora. Donc, c'est un jeu qui se passe, qui se pratique à travers. Euh, comme j'ai dit, le Maghreb, et donc il y a eu des démonstrations, il y a eu des équipes, il y a eu des compétitions. Et le, le colloque c'était sur les, les jeux, les jeux, les jeux sportifs. C'était l'intitulé traditionnel. Euh il euh, y a eu des. des, des c'est un colloque international, donc il y a eu des, des Tunisiens, des Français, des, mm -hmm. des Espagnols. Euh, des... euh, euh, Habib si vous continuez vos recherches oui. et vous les enrichissez, vous trouvez toujours euh, de nouveaux éléments qui parlent de euh, ce, ces qui jeux est, ce qui est. Euh, ce, qui est euh, ce qui est un peu difficile, c'est euh, la question qui, qui, qui se pose à moi, c'est euh, l'origine. Et l'origine euh, qui peut le, le trouver, chercher loin. Par contre, euh, le constat que j'ai fait, plus le jeu est pratiqué dans le, les mêmes jeux, et d'ailleurs là, je l'ai dans la région de cette île mmh. ces jeux-là sont pratiqués dans pratiquement toutes les toutes les communes, ce qui prouve qu'il y a une certaine, on euh, appelle régularité dans la pratique. On peut dire qu'ils qu sont là. Qui ont été pratiqués un peu partout. Dire que voilà, c'est des, des jeux de, de chez nous, de, ça, ça reste à démontrer. Il faut vraiment faire une recherche un peu plus approfondie. Quand les jeux sont rituels, on peut considérer qu'ils sont ancrés dans nos traditions. Il y, a un, il y aurait peut-être un soupçon de, de, que l'origine serait probablement euh, de, de la région. Euh, disons du Maghreb ou voilà peut-être la Méditerranée ça la question reste posée en tous les cas vous avez fait partie euh, Habib Arachi de la première équipe nationale féminine de handball vous êtes une, une grande sportive euh, ça vous rappelle quoi cette période écoutez euh, effectivement euh, j'ai été euh, parmi le, la première équipe de handball féminine avec euh, avec beaucoup de, de, de jeunes femmes. C'était de les années 68 jusqu'à 73, 74. Et c'était une belle expérience. Et on n'a pas beaucoup l'occasion de, de, de s'exprimer à ce sujet. Merci, euh, Mariam, de me donner cette occasion. Et j'espère que la première équipe aura l'occasion de. De venir un jour à la radio et oui. témoigner et de cette expérience. Et il y a expérience. aussi un souvenir que, que vous vouliez partager avec nous. Vous avez été présente à l'inauguration du stade du 5 juillet en 72, n'est-ce pas vous avez, vous avez été là avec le président. <laughs> Racontez-nous aussi ce souvenir. Écoutez, à l'époque, j'étais en 72 étudiante au CNEPS de ben Haknoun Et le directeur à l'époque, M. Hadjout Lahir m'avait choisi pour remettre. Il y avait d'abord le, le, le groupe du CNEPS, les filles et garçons, la d'honneur. Nous représentions bien en tant que sportifs un peu l'Algérie, le sport, c'était le stade du 5 juillet. Et donc j'ai été choisie pour remettre la paire de ciseaux au président Boumedienne. Et... Voilà Ça un souvenir un souvenir j'ai la vidéo d'ailleurs oui. il existe euh, Habib Barshi une fédération algérienne de sport traditionnel et une association aussi voilà il existe il y a une fédération algérienne de sport traditionnel mm -hmm. qui est rattachée au comité olympique et qui a beaucoup développé le le, le, le c'est des duels avec des bâtons. L'Arsa, ou l'UNCAN, des bâtons, et, et ça a été un peu institutionnalisé. Il y a des compétitions, notamment dans le sud, à l'ouest. Oui. Et il y a une, une association africaine des jeux et sports traditionnels. J'en fais partie. On a eu, il y a eu un, un colloque à, à Tunis en 2019, juste avant le Covid. Et cette association, cette association est divisée dans toute l'Afrique, est divisée en plusieurs zones. Et donc, je fais partie de la zone euh, du Maghreb, qui regroupe le Maghreb. Et le plus... Euh, je tiens à saluer Monsieur Bouzid Asdine, qui a fait ses études en Algérie. Voilà, c'est un collègue qui développe beaucoup ses jeux traditionnels. Très 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 actif. Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces recherches Quels sont vos projets par rapport à ce, à ce patrimoine immatériel, à ces jeux traditionnels très très anciens Alors, mon premier objectif, c'est que ce, ce, cet ouvrage soit soit édité pour ne pas. Vous cherchez un éditeur alors Oh, j'aimerais bien que ce soit que ce, ces jeux soient connus et peut-être plus. Euh, euh, il est. Euh, propager plus mm -hmm. euh, j'aurais peut-être des retours et améliorer le, la recherche et trouver des éléments oui. complémentaires l'autre objectif c'est euh, continuer à, à travailler faire des recherches pour, euh, pour connaître un peu un peu l'origine un peu développer développer surtout et là je travaille en ce moment sur les jeux traditionnels, des jeux de société traditionnels, ce qu'on appelle les jeux cognitifs, c'est des jeux de, de stratégie. Donc il y a le des jeux de dames, il y a le mharbga, il, il y a le patlayun, il y a le sheshia, genre de Mikado. sheshia parce mm -hmm. que c'est je, je peux développer et il y a le royim, le royim c'est la, la tente, c'est Khayma, c'est le pluriel de royaume donc c'est un jeu de stratégie et toute la symbolique est toujours euh, liée un peu au foyer au à la vie euh, rurale c'est un jeu de stratégie que voilà ce que je voudrais aussi comment où et comment euh, Pratiquer ces, ces jeux de société, par exemple, dans une bibliothèque ou dans un centre qui accueille des enfants, éventuellement dans des maisons de, de, de retraite ou, de ou des retraite. maisons de vieux. Mm -hmm. L'expérience existe ailleurs. Euh, les Pour, jeux... Pourquoi spécialement les maisons de retraite et, et, et les maisons, des, euh, les maisons de... de jeunes aussi? Peut... Même chez ah. les jeunes, bien sûr, chez oui. les jeunes dans les colonies de vacances, euh, mm -hmm. une bibliothèque, euh, oui, oui, ça peut se faire euh, euh, un peu partout. C'est vrai que chez les, 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 chez, les, chez les personnes âgées. Les seniors. Ça, les seniors, ça, ça permet d'abord de, de, d'échanger. Mm -hmm. On peut euh, faire des groupes mixtes, euh, enfants, euh, personnes euh, seniors. Pour essayer, de, ça développe d'abord la le les, le les capacités cognitives, physiques, hein, euh, la coordination, mmh. la dextérité. Mmh. La, de, voilà, tout ça, ça me rattache à mon métier de, de prof de PS, tout simplement. Et les jeux, les jeux, des jeux de physique sportifs aussi dans les colonies de vacances, euh, pour faire connaître déjà euh, et faire découvrir euh, ces jeux de. de de société, ces jeux traditionnels pratiqués chez nous. Et Merci et d'être venu nous en parler, euh, Habiba Kharchi, euh, de tous ces jeux traditionnels euh, que, que, que vous avez découverts, qui ont traversé les, les époques hein, pour euh, nous parvenir. J'espère que vous pourrez euh, éditer un livre euh, concernant ce, ce pan de notre patrimoine immatériel. Merci beaucoup, Merci beaucoup. et bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. L'école régionale des beaux-arts de Constantine est une pépinière de graines d'artistes. Hayat Kerboua a rencontré le directeur de cette structure. L'école régionale des Beaux-Arts de Constantine est une véritable pépinière d'artistes, un espace qui promeut la créativité et permet aux talents de jeunes étudiants d'éclore et de s'épanouir tout en étant proche de la société et de ses préoccupations. Écoutons Feth Ahmarad, directeur de l'école régionale des Beaux-Arts. 60 ans de formation au service de l'art et du goût. Pendant ces 60 ans, l'école a fait découvrir l'histoire artistique et culturelle de Constantin. On peut dire aussi que les travaux des étudiants et des enseignants sont généralement présentés au public à travers des ateliers ouverts, des expositions, des festivals, des salons nationaux ou locaux ou à travers des activités organisées en marge de conférences organisées ponctuellement par l'école. L'école régionale des Beaux-Arts de Constantine fait partie d'un réseau de plusieurs écoles à travers le territoire national. Implantée dans le quartier de Boussouf, l'école, appelée Ahmed Akrish, est un bel acquis qui ne cesse de se bonifier d'année en année. Fatah Marad, directeur de l'école régionale des Beaux-Arts et artiste. Cette école est un établissement culturel étatique à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 60 ans d'existence. C'est l'âge de l'école régionale des Beaux-Arts de Constantine. Le rôle de l'école, c'est le développement de la formation dans le domaine artistique dans l'Est algérien. L'école a fourni des générations de personnes créatives, ce qui la classe comme pôle culturel et artistique avec distinction. En 1998, elle est devenue une école régionale indépendante. En 2001, la construction du siège officiel de l'école a commencé à l'initiative des autorités de la Wilaya et en 2009, l'ouverture officielle de, du nouveau siège situé dans le quartier Bossof et l'école Haïti nommée Ahmed Akrish. Avec ses différents ateliers et disciplines, l'école régionale des beaux-arts de Constantine possède plus d'un atout pour contribuer à la promotion de l'art et de la culture des biens précieux constantine hayet kerbois algerian 3